Sammy. Be so savvy. 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 Baigné par l'océan Atlantique, la Guinée-Bissau est le seul pays lusophone en Afrique de l'Ouest. Elle fait frontière au nord avec le Sénégal, à l'est et au sud avec la République de Guinée. Du point de vue superficie, elle s'étend sur 36 120 km², dont 28 000 km² de terre et 8 120 km² de mer, y compris une soixantaine d'îles dans l'Atlantique, à l'image de l'archipel des Bijagos. Grâce à ce atout géographique, le pays dispose d'un important espace réservé aux mangroves. C'est pour cette raison qu'il a été classé premier au monde en termes relatifs, 12e en termes absolus et 2e en Afrique après le Nigeria. Un bijou que le gouvernement bissau-guinéen a tenu à préserver à travers des politiques de gestion et de conservation des ressources naturelles. Depuis des années, on a mis en œuvre plusieurs projets pour renforcer la gestion de la zone côtière. Mais le projet vient et finit, l'autre projet vient et continue, alors qu'il y a toujours les consolidations des actions. Des acquis qui ont abouti à ce jour à la création de 8 aires protégées. Ces domaines, placés sous la tutelle de l'Institut de biodiversité des aires protégées, servent à assurer la survie des espèces animales et végétales en voie de disparition. À ce moment, on a 8 aires protégées en Guinée-Bissau, qui représentent 26,3% du territoire national. Et l'IBAP chapeaute tous les aires protégées en Guinée-Bissau. Ça veut dire que tout l'aspect de gestion est fait en co-gestion avec les communautés locales et les autres structures publiques. Et pour chaque aire protégée, on a une spécificité. À l'occurrence, on a par exemple le parc marin Jean-Vert-Poilon, que c'est le deuxième site le plus important du pont de Tortue Vert. On a par exemple le parc d'Orango, qui abrite des hippopotames, qui utilisent tant l'eau salée comme l'eau douce. En plus de ses richesses naturelles, la Guinée-Bissau fait aussi partie, tout comme 5 autres États de la sous-région, de l'écorégion Wamer. Une région qui, avec ses 3700 km de côte, constitue une des zones les plus poissonneuses au monde. Mais aujourd'hui, ces patrimoines se trouvent être menacés, voire dégradés. Cet état de fait s'explique par la croissance démographique, la surexploitation des ressources halieutiques et la diversification des activités économiques d'après une évaluation de l'état des lieux des ressources marines et côtières. Une situation face à laquelle les parlementaires et les autorités expriment leur inquiétude. À ce qui concerne, la paix sur les sites non déclarés, non réglementés, c'est-à-dire une exploitation de notre ressource sans utilisation. Par les gens, les armateurs ont beaucoup de matériel, de sangans, de pièces, de bateaux ou de pirogues, qui accèdent à notre ressource, qui arrivent dans notre zone économique exclusive et font des exploitations de façon que nous ne pouvons pas contrôler. Le coût de la surveillance, c'est cher. On ne peut pas mettre permanemment la structure de pêche, la structure de fiscalisation, soit avec la commission régionale de pêche, soit au niveau local, soit avec les satellites. C'est pour donc répondre à ces préoccupations que le programme des Nations Unies pour le développement et l'Union européenne ont cofinancé en 2012 un projet appelé GoAmer. Il a pour objectif de répondre à la problématique de gouvernance, de la politique de gestion et de la réduction de la pauvreté dans l'écorégion Wamer. C'est un programme qui couvre 6 pays de la sous-région, Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie et Sénégal, pour un budget d'environ 10 millions d'euros, avec un bailleur principal qui est l'Union européenne,
et un bailleur, un second bailleur qui est le PNUD. Donc, les résultats du programme attendu, il y en a quatre. Le premier résultat, c'est réduire ou éliminer les impacts négatifs des modes de gouvernance. Le deuxième résultat porte sur le développement, le renforcement des outils et des initiatives de gestion durable. Le troisième axe est un axe important et on va dire assez original du GoWomer, c'est de renforcer les capacités de la société civile. Le quatrième axe concerne la promotion des moyens de subsistance durable à travers les activités dites génératrices de revenus. Ce projet, piloté en Guinée-Bissau par l'IBAP, évolue dans plusieurs localités du pays et il intervient dans beaucoup de domaines d'activité. Le GoWomer nous a permis d'acquérir une vedette de surveillance qui est basée au niveau du parc de Cantagnès et des autres aires protégées où le projet intervient, reçoit l'appui pour les activités de fondation. À part ça, le projet GoWomer nous a permis aussi de travailler avec les femmes transformatrices de ressources halieutique, en commençant par les poissons, crevettes, huîtres et les autres mollusques comme cymbions et les autres. On a pu former les femmes dans l'hygiène et amélioration de qualité des produits halieutiques, dans la gestion des petites entreprises. Et dernièrement, on a commencé à travailler avec les femmes de Tambou-Sainte, qui est une localité au bord du parc naturel de fleuve Cachéo, sur l'ostriculture. Outre ces activités, le projet GoWomer appuie aussi l'IBAP dans d'autres programmes comme l'actualisation des données des plans de gestion des aires protégées et l'aménagement des espèces pélagiques. Le projet a nous appuyé à actualiser les plans de gestion des aires protégées. Pour chaque aire protégée, on a un plan de gestion. Mais chaque 5 ans, 10 ans maximum, on doit actualiser parce que les conditions, les situations changent. On doit adapter ce plan à la réalité. À part ça, dernièrement aussi, chaque aire protégée a son business plan, son plan d'affaires. Et chaque année, on est obligé d'actualiser, de mettre à jour cette business plan. Et on a reçu le soutien des projets GoWomer pour pouvoir le faire. Dans le domaine de la pêcherie, on est en train d'élaborer les plans d'aménagement des petits pélagiques, en cas concret les malos, bonga, avec le ministère de la pêche. Pour le projet ostréicole, par exemple, les femmes ont appris à élever des huîtres et mollusques à l'aide des techniques améliorées. Et grâce à ces outils, elles disent être désormais conscientes de l'importance d'une mangrove dans la reproduction de ces ressources halieutiques. Kabagora, ki tarafi, ita judani chiu, pabe lakuna tatra, ki ka tarafi, no bulanya kapuri sugra, ki tarafi kita sugra ki bulanya. Ok. Et ils évitent de couper la racine des huîtres parce qu'ils sont conscients que les racines de mangrove, parce qu'ils savent que cette racine et que soutient le sol. Parce qu'il faut aussi la riziculture de mangrove. Si les racines ne sont pas là, l'air rizière ne va pas se tenir. Ostra, on t'enlève à canoa, on lève à mancharu, on lève à kategen. Il dit que pour aller à collecter les autres, il prend leur petit pirogue avec les coupes-coupes. Ils ont une comme celle-là, le noir, la bassine. Et en arrivant là-bas, ils cherchent les huîtres qui sont déjà mûres. À travers cette ostréiculture, ces femmes disent avoir tiré beaucoup de bénéfices avec l'expérimentation de ces nouvelles techniques améliorées. Eh, papa, t'as tissin, alors qu'on va y abrir vous c'est quand, vous l'avez pas loum. Vous t'as pas gant, vous suivez pas école, pas pour être mes sapatos, pas gant pas école. Ok. Il a grand temps à jala. Il dit que quand il collecte cette huître, il le cuit, il le fume, il le vend dans le marché hebdomadaire. Avec cet argent, il peut payer l'école de leurs enfants, les vêtements de leurs enfants. Des résultats qui encouragent les coordonnateurs de ce projet. Et d'ailleurs, le responsable du développement communautaire envisage de les organiser en association
en vue de domicilier leurs revenus dans un compte bancaire. Maintenant, ils sont organisés en groupement. Ils font des cotisations de leur argent, à part ce qu'elles mangent au niveau de la famille. Bientôt, on va les organiser à une association et les aider à faire leur compte au niveau de la banque, caisse bancaire. C'est pour capitaliser et promouvoir cette bonne pratique de gestion des ressources marines et côtières que le projet GoAmer sollicite l'implication de tous. C'est pourquoi, du 12 au 16 juin 2017, les responsables de ce programme ont initié une visite de terrain pour des journalistes et parlementaires de l'éco-région Wamer en Guinée-Bissau. En tant que membre du Parlement, vous avez des responsabilités de légiférer. En tant que professionnel du média, vous avez des responsabilités de faire sortir des informations de façon pédagogique pour faire contribuer pour que les citoyens puissent avoir de conscience et avec cette conscience influencer les processus de prise de décision, de promotion des politiques. Donc, pour nous, Bissau, c'est une activité que nous sommes très contents pour voir faire aussi. Pour appuyer davantage cette mission, l'Union européenne de son côté prévoit former des hommes de médias, élus du peuple et acteurs de la société civile pour mieux vulgariser la notion de préservation des ressources marines et côtières auprès des citoyens. On a en cours des autres formations, soit pour les parlementaires, soit pour les journalistes. C'est-à-dire que pour nous, ces genres de formations en échange sont très importants pour que les citoyens puissent être informés sur ce qui se passe dans les différents domaines et pour que, après, c'est la société civile avec les autorités qui peut pousser avec les autorités un petit peu pour le changement des pays et de la région. Après ces échanges, les journalistes et parlementaires ont fait une visite de terrain sur les réalisations du projet GoAmer à São Domingo, à Bouba, au parc national de Kacheu et celui de Koufada. À Bouba, un petit village de pêcheurs et d'agriculteurs situé à 133 km de la deuxième grande ville du pays, Bafata, la délégation a été chaleureusement accueillie par les habitants. À tour de rôle, ils ont expliqué la nécessité de sauvegarder la nature, surtout les ressources marines et côtières. Un enseignement qu'ils ont réussi à mettre en pratique et à valoriser grâce à la consolidation de projets antérieurs. Siyasin, Rio Grande de Bouba, l'histoire du travail commence en 1993, lorsque l'UICN a financé un projet qu'on appelle projet de grand fleuve de Bouba. L'objectif du projet là, pour essayer d'orienter les pêcheurs sur la conservation, la forme de conservation des ressources, forme de pêche responsable. Mais dit qu'avant, après l'indépendance de Guinée-Bissau, le pêcheur pêche d'une manière avec des filets non appropriés, beaucoup de méthodes de pêche sans conservation en règle. Maintenant, le projet a premièrement essayé de recouper des pêcheurs pour essayer de voir quel est le problème par rapport à quel type de pêche et quelle est la nécessité de faire une pêche responsable. La fiscalisation ne va pas contre le pêcheur qui n'a pas de mal art ou mal pratique. Donc, nous avons pris des décisions. Or, pour notre prendre, nous n'avons pas parlé. Nous ne pouvons pas avoir qu'un règlement de notre groupe conforme à la gravité de l'opération que beaucoup. Il a dit que quand ils vont à la surveillance, ils constatent qu'un pêcheur en train de violer certaines règles, il l'arrête, il vient ici, il regarde les règlements pour voir quel point était violé. À partir de ça, il fixe les amendes. Et le montant, il ne reçoit pas ce montant.
ils ont un compte bancaire et ces pêcheurs doivent mettre l'argent sur le compte bancaire. Dans cette localité, les femmes aussi ne sont pas restées en marge. Elles ont subi des formations et tout comme les hommes, elles contribuent elles aussi à l'émancipation de la localité à travers des activités génératrices de revenus. Et aujourd'hui, ces femmes s'illustrent comme des modèles pour l'autonomisation de la gente féminine. Après la formation, ils ont démarré ici et ils ont trouvé qu'ils doivent avoir leur propre centre de transformation de poissons. Ils ont demandé à la préfecture locale, car c'est un terrain qu'on va visiter après. Ils ont construit leur centre de transformation de poissons. Et chaque fois, ils cherchent à améliorer cette centre. À partir de ce travail qu'ils font de transformation de poissons, ils ont arrivé à être en paix, indépendants de leur mari. Après cette expédition, la délégation de retour dans la capitale Bissau a procédé à une séance de restitution. Une session au cours de laquelle les participants disent avoir eu beaucoup d'expérience sur le terrain. À vrai dire, nous avons été très agréablement surpris parce que partout où on est allé, si vous voulez, nous avons compris qu'en Guinée-Bissau, notamment, le projet a fait un travail très sérieux et que cela a eu un impact très sérieux aussi sur le comportement des pêcheurs dans la sauvegarde de la biodiversité, dans la protection de la ressource, dans l'exploitation et dans la création de richesses pour les pêcheurs. Nous, à notre retour, on est prêts à restituer cela à nos débarcadères, à nos chefs et à nos collaborateurs, et surtout au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup la Guinée. D'ailleurs, pour accompagner Gohammer dans sa lutte, chacun de son côté, journaliste comme parlementaire, a soumis des propositions à l'assistance. Et je tiens à remercier encore le projet Gohammer qui nous a offert cette opportunité très importante, très riche, qui nous a permis à découvrir un pays frère qui est très riche en ressources naturelles, qui nécessite à être appuyé, à être mise en valeur. Et on a pris l'expérience de IBAP, que j'étais ici à remercier, à féliciter. Et on espère que, au nom de mes collègues, mes honorables, qu'on est disposé à accompagner ce projet Gohammer dans le but de l'intérêt de nos population, l'intérêt du développement, l'intérêt de la lutte contre la pauvreté. Nous sommes engagés tous pour faire une grande diffusion des idées de ce projet chez nous. Les propositions que nous avons déjà faites le montrent et je crois que si je suis le porte-parole des journalistes, je crois que on peut dire que nous sommes ensemble dans ce lutte-là de faire que notre avenir, la vie de notre fils sera plus meilleure que la nôtre. Des propositions qui réconfortent les autorités bissau-guinéennes. Nous pouvons diviser les Sénégalais et Guinée-Bissau. Mas não tem recursos naturais, por exemplo, o peixe, que cá tem fronteira na rio, e até fiquei na passa para um lado, para outro, vai chegar na todo o país de sub-região. Só não há de fronteiras que divisa no país entre um e outro, mas por os recursos naturais não há de fronteira, a não ocorrência da poção. Parece, se naquilo tudo e não interessa, e não benefício, não é um interesse, grande interesse, e para poder conservar, pas bénéfice de nos vendeurs. Justement à cause de ça qu'on doit se mettre ensemble pour réfléchir ensemble, qu'on puisse conserver les ressources qui nous appartiennent, que c'est une ressource partagée. Et même nos matos, quand nous avons, pour que les animaux qui vivent dans les matos,
no di di tene un maniera pa no di vivi ke el junto ma pa kanu kabaliminelis e pa no di kuma ke el sene vivi ano stambi pa no di vivi pa no di un alternativa viable. Au-delà des ressources partagées, on a aussi des ressources faunistiques, même si ça est limité dans chaque pays. Mais on doit aussi avoir une préoccupation avec ces ressources, parce qu'on doit trouver une façon de vivre en équilibre avec ces animaux. En attendant la fin de ce programme, Gohammer continue d'appuyer ses communautés de pêcheurs, acteurs de la société civile, décideurs politiques et parlementaires, en vue d'une bonne appropriation des notions de gestion durable des ressources marines et côtières, des acquis que les bénéficiaires, eux, souhaitent voir continuer pour davantage améliorer leurs pratiques. Minna punta punta ki nevita, e buno yara. Minna punta punta ki nevita, nyamame.